Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Avec vous, Étienne Mal, bonjour. Bonjour Hakim Bey, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce mercredi 6 décembre, deuxième conférence africaine des startups à Alger, le président de la République affirme l'engagement de l'Algérie à mettre son expérience à la disposition des pays du continent. Projet de loi de finances 2024, les députés de l'Assemblée populaire nationale donnent leur quitus, le caractère social de l'État confirmé. À Gaza, l'armée sioniste tente d'encercler la ville de Khan Younes où les combats font rage. 60 soldats sionistes tués en l'espace de 24 heures. La santé avec les assurances de la tutelle, la disponibilité des produits d'anesthésie dentaire à l'échelle nationale. Et puis en sport, coup d'envoi aujourd'hui du championnat arabe de lutte à Bagdad en Irak avec la participation de 11 lutteurs. Il y aura également les championnats d'Afrique de voile en Égypte et les Algériens qui ont dominé hier la troisième journée. Des idées à l'impact des startups sur l'économie africaine. Début des travaux de la conférence, deuxième conférence africaine des startups. À Alger, les startups, un des fers de lance d'ailleurs de l'essor économique du pays. Des idées novatrices avec une valeur ajoutée à l'évolution exponentielle. L'occasion pour le président de la République d'insister sur le soutien dont doivent bénéficier ces jeunes porteurs d'idées dans un message lu en son nom par le Premier ministre Nadir El-Arbaoui. Le président de la République affirme l'engagement de l'Algérie à mettre l'expérience, son expérience, à la disposition des pays du continent. Sami Alloun. Faciliter l'intégration d'idées, de projets de développement dans les pays africains. L'Algérie a engagé à partager son expertise et expérience pour contribuer à établir une véritable synergie continentale en matière d'innovation, de création de richesses et d'emplois. Le Premier ministre Nadir El-Arbaoui. Je profite de cette occasion pour vous inviter à coordonner vos efforts afin d'intégrer les concepts d'entreprise émergente, les start-up, d'innovation et d'entrepreneuriat dans les systèmes économiques de nos pays. Pour renforcer l'action africaine commune, nous souhaitons souligner l'importance de l'initiative de créer un atelier ouvert au dialogue, au débat et à la consultation dans lequel vous définirez les politiques pour valoriser les capacités innovantes de la jeunesse africaine. Mieux répondre aux besoins des start-upeurs africains, les accompagner en termes de conseils, d'assistance, faciliter l'accès au financement pour contribuer activement à la croissance économique de l'Afrique. Stella Ndabeni Abrahams, ministre chargée du développement des PME en Afrique du Sud. Nous félicitons le gouvernement algérien pour cette initiative de rassembler toutes les start-up du continent. Nous catalysons de nouvelles énergies et compétences pour mener notre propre révolution économique. Nous avons hâte d'établir une coopération entre les différents pays du continent et élaborer ainsi des mesures propices au développement de l'économie en Afrique. Un événement d'envergure qui réunit des acteurs de l'écosystème entrepreneurial et technologique de l'Afrique, à même d'établir une synergie propice au travail africain commun est passé par la même occasion de consommateur de technologie à créateur de technologie. C'était le compte-rendu de Sami Alloun. Également à la une de l'actualité, l'adoption à l'unanimité du projet de loi de finances 2024 par les membres de l'Assemblée populaire nationale. Les membres de l'Assemblée populaire nationale qui ont donné leur quitus. Prochaine étape, l'aval du Sénat. Un projet de loi de finances qui consacre 18% du budget à l'investissement et réaffirme le caractère social de l'État. Rimboukadoum. Les indicateurs macroéconomiques de l'Algérie sont bons malgré la conjoncture mondiale difficile. L'Algérie continue d'enregistrer des avancées importantes en matière de croissance économique et reste souveraine dans ses décisions. Sans oublier que la dette extérieure de l'Algérie est quasi inexistante. Brahim Bourali, président de l'APN. L'Algérie détient des potentialités humaines et matérielles considérables dans un temps où nous avons des réserves d'or et de devises importantes, ce qui nous permet d'éviter ce que beaucoup de pays subissent, et aussi l'Algérie n'a aucune dette extérieure et souveraine de ses décisions, des décisions dictées par l'intérêt du pays. Donc l'Algérie reste souveraine. Le projet de loi prévoit une nouvelle mesure tant revendiquée par les acteurs économiques. Il s'agit de la suppression de la TAP et la redistribution des recettes fiscales de l'activité hydrocarbures. Ce coût financier estimé à plus de 186 milliards de dinars serait dégagé pour les communes. L'Aziz Faïd, ministre des Finances. Cette TAP, elle est considérée comme les avatars de la réforme fiscale de 1992. 30 ans après, d'aujourd'hui, donc on est arrivé à la supprimer, d'autant plus qu'elle fait partie des engagements du président de la République.
public de supprimer la taxe. La TAP, qui était considérée comme la principale source des collectivités locales, qui faisait quand même une moyenne de 160 milliards de dinars, elle a été remplacée par un impôt d'État, c'est la taxe sur les produits pétroliers, qui va ramener plus de 186 milliards au budget des collectivités locales. Le projet de loi prévoit aussi un budget de plus de 700 milliards de dinars pour les subventions des produits de large consommation, tout en veillant à la disponibilité et à la stabilité des prix des produits alimentaires, en particulier ceux subventionnés. Et à propos d'investissement, 124 demandes étrangères d'investissement en Algérie examinées par l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, des demandes prêtes à être mises en œuvre, des projets émanant de plusieurs grandes entreprises et multinationales. C'est ce qu'a indiqué le directeur général de l'API, Omar Berkash. Sécurité routière, les routes toujours aussi meurtrières et la vigilance plus jamais recommandée. Vous êtes nombreux en effet à être sur la route, la vigilance est plus que jamais recommandée. La grande faucheuse a encore une fois à Sivi, c'était hier soir, huit morts dans un accident de la route à Ouled Djellal. L'accident a fait également 9 blessés. On revient aux assurances du ministre de l'Industrie pharmaceutique, Walid Selman, qui rassure quant à la disponibilité des produits d'anesthésie dentaire sur le marché national. Près de 7 millions de doses déjà mises sur le marché. D'importantes quantités importées seront réceptionnées prochainement. Reda Belkacem, président de l'Observatoire de veille au ministère de la Santé et de la production pharmaceutique. 6 850 000 doses ou carpules ont été mises sur le marché. Actuellement, il y a environ 950 000 qui sont en cours de contrôle et de libération. Nous recevons également la semaine prochaine environ 2 300 000 carpules qui sont actuellement sous douane. Et aussi, nous allons recevoir la mi-décembre, une quantité d'environ 1 million de carpules ou de doses supplémentaires, additionnées à d'autres quantités aussi, qu'on va recevoir d'ici la fin d'année. Tout ça donc sera mis sur le marché, en plus des quantités qu'on a déjà signalées au début par rapport aux anesthésions dentaires. Et de là, ces chiffres sont importants et nous estimons qu'ils peuvent couvrir les besoins du marché. Et toujours à propos de santé, Walid Selman, pour évoquer cette visite de travail du ministre de la Santé à Tindouf. Aujourd'hui, au programme, l'inauguration de l'extension du service d'hémodialyse à l'hôpital mixte Silhaouaz, autre acquis pour la wilaya, l'inauguration de l'unité d'oncologie. 8h07 sur Alger, chaîne 3 parle de la situation à Raza où les bombardements et les raids sionistes s'intensifient, notamment sur le sud de Raza. L'armée sioniste tente d'encercler la grande ville de Khan Younes dans le sud de la bande de Raza, où font rage les combats parmi les plus intenses en 2 mois de guerre contre le Hamas. Des combats qui ont fait 60 morts parmi les soldats sionistes. Linda Babsa. Des combats qui obligent des milliers de civils de Rafah et de Khan Younes à fuir plus au sud, acculés dans un périmètre de plus en plus exigu et confrontés à une situation humanitaire insupportable. Le ciel de Khan Younes et de Rafah est chargé d'avions de guerre, d'hélicoptères, de drones, de bombes et de missiles en tout genre, largués sur une population civile complètement désemparée et sans défense. D'ailleurs, la terreur Linda est là, bien installée. Oui, une terreur présente des deux côtés. Israël a perdu quand même 60 soldats en 24 heures dans sa bataille à Khan Younes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'entité sioniste prévoit d'achever le travail, de décimer ce qui reste au sud, de rendre Raza inhabitable en usant de tous les procédés, famine, terreur et maladies infectieuses. Les maigres convois humanitaires qui apportaient des quantités symboliques de nourriture et de médicaments ont été interrompus par Israël qui fait tourner sa roulette de la mort. Rien n'est interdit à l'entité sioniste, ni les hôpitaux, ni les 287 mosquée de Raza, ni les églises, ni les écoles, les maisons, les immeubles, les camps de réfugiés, les universités, les locaux de médias, les banques, les systèmes d'évacuation, les infrastructures de télécommunications, les usines de traitement des eaux, les bibliothèques, les moulins à blé, les boulangeries, les marchés et les quartiers résidentiels sont systématiquement bombardés et détruits, aussi bien au nord de Raza qu'à Khan Younes. Et nous nous intéressons également, Linda, aux prisonniers palestiniens arrêtés arbitrairement et par esprit de vengeance en Cisjordanie occupée, quant à présent par milliers, 3580 depuis le 7 octobre dernier. Ils subissent les pires atrocités en attendant la reprise des négociations pour leur libération éventuelle. C'est ce qu'affirme Marwa Al-Airach, journaliste palestinienne, jointe par Karima Ben-Nour.
Les prisonniers palestiniens qui ont quitté les geôles israéliennes tout récemment nous ont raconté leur dur vécu, les mauvais traitements qui leur sont réservés, coups, tortures et violations constantes de leurs droits, aussi bien pour les détenus hommes que femmes, ces dernières qui subissent des harcèlements continus. Leur situation est vraiment critique, des malades d'entre eux abandonnés, sinon on leur administre des médicaments inadéquats. Les prisonniers meurent dans leurs cellules, des violations flagrantes des droits et tortures physiques et psychologiques sous toutes leurs formes. Et nous arrivons à notre page sportive, coup d'envoi aujourd'hui du championnat arabe à Bagdad en Irak avec la participation de 11 lutteurs algériens. Actualité sportive également marquée par les championnats d'Afrique de voile en Égypte, les Algériens qui ont dominé hier la troisième journée de la culture. Pour clore les pages de cette édition avec la 9e édition du prix Mohamed Dib, dernier délai pour s'inscrire le 6 janvier prochain. Nadia Siassi. Si vous êtes des férus de la littérature et d'écriture, d'imagination, c'est encore possible de vous inscrire. Pourquoi pas, vous ferez partie des gagnants, surtout que cette année, il y a le prix senior. Sabiha Belmansour, présidente de l'association La Grande Maison Mohamed Dib. Ce prix récompense un recueil de nouvelles ou un roman édité entre le 6 janvier 2022 et le 5 janvier 2024. Les œuvres doivent être écrites soit en langue arabe, soit en langue amazigh, soit en langue française, mais les candidats ne pourront concourir que dans une seule langue. Et le dernier délai d'envoi est prévu pour le 6 janvier 2024. Cette nouvelle session s'accompagne d'une autre action, la création par l'association du prix Dib Espoir, qui est adressée à de jeunes Algériens entre 18 et 30 ans qui se sont soumis déjà à un test à partir duquel le jury a sélectionné 13 candidatures qui elles-mêmes avoir une formation sous forme de résidence assurée par Madame Keltoum Stali, lauréate du prix Mohamed Dib à la session précédente. Il s'agit pour les jeunes d'être formés à l'écriture d'une nouvelle qu'ils présenteront avant octobre 2024 et le prix Dib Junior sera remis en même temps que le grand prix littéraire Mohamed Dib. Pour toute inscription, vous pouvez consulter les www.lagrandemaisondedib.com avant le 6 janvier 2024. Et c'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.